Donne-moi mon téléphone et j'ai mes musiques. Coucou, bonsoir. Ramène mon téléphone là ici. Coucou, famille, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, famille. Ma grande sœur, Tengwao. Assez. Donne-moi. Emmanuel. Bonsoir, famille. Partagez et invitez vos camarades. Je vais mettre un peu de musique le temps que. Bonsoir, famille. Bonsoir. Partagez en famille, partagez, j'invite, je vais mettre un peu de musique. Partagez, partagez famille. Partagez, on va parler du nouveau parti de Gbagbo Laurent. Nouveau parti de Nadia Nabamba. On va parler de ça. Partagez famille. Oh. Mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Famille, bonsoir. Bonsoir. Oui, Mamadou Krabouri, soit salué depuis ta position. Oh. Partagez, invitez vos camarades. On va parler un peu. Oh. Attendez, quittez pas en 2 minutes. Quittez pas, partagez, j'arrive. Bonsoir, bonsoir famille partagée. On va parler des nouveaux partis de Nadi Bamba et Asso Adou. Bonsoir ma grande soeur. Mataba, sois salué depuis ta position. Téléphone. Va là-bas. Non, il faut laisser. On va te laver, tu vas partir te coucher. S'il te plaît. Mais maman, on ne peut pas se laver. Si, si, c'est cool, il se lave. Il se lave. C'est bon. Il ne faut pas venir. Partagez, famille. Partagez. Hein. J'ai mis un peu de musique. Et je vais faire. Je n'ai pas trop duré. Donc, partagez vite. Partagez, on va parler un peu. On va écouter un peu de musique. Partagez, merci. Partagez, hein,
Maman Nathalie, bonsoir. Hein, Nathalie, Madou, ma belle, sois saluée depuis ta position. Antou, sois saluée. Merci, ma grande soeur, merci. Merci, partagez. Vous qui venez d'arriver, partagez. Antou, faut partager. Partagez, famille. Ah, c'est le mot bruit. Oh, mon bruit, oh. Merci, ma belle. Merci. Dieu fait ma grâce. Dieu ma force. Nana, bonsoir. Merci, Natou. La voici la copie. Sois saluée depuis ta position. Ok. Bonsoir famille, bonsoir, 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 bonsoir. Toujours Edith Denenia, dit maman Gbagbo. Ça chauffe pas, voilà. Ça vous fait mal, hein. Quand il dit maman Gbagbo là, ça pique dans votre cœur, mais c'est comme ça, ça y est, ça a resté dans votre gorge. Donc moi, je m'en gaba. Donc famille, je suis venue ce soir pour qu'on parle de nouveau parti de Nadia Nabamba et d'Amna Piquet sur les Gbagbo. Les marionnettes de Nadia Nabamba, on va parler d'eux. Donc, famille, il y a beaucoup de questions qu'on va parler. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Je vous ai partagé sur la liste des membres qui sont du parti du président Gbagbo Doran. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message vocal en disant que il tape porte par porte pour dire ce qu'il veut. Maman Virginie, Eya, oh, Eya. Ah, je vais parler au gros maintenant. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message vocal en disant que, moi, je ne sais pas, hein, quand on crée un parti politique, là, est-ce que il y a plus de 100 personnes qu'on prend pour dire, venez, on va créer un parti politique. Moi, je ne comprends rien. À ma connaissance, si ceux qui créent un parti politique, hein, s'ils sont trop, ils sont peut-être 6 ou ils sont 5 ou bien ils sont 4 qui créent un parti politique. À ma connaissance, on tape maintenant porte par porte pour dire donner 1000 francs pour que tu sois adhéré à la partie politique de Nadia Nabamba. C'est pour ça que j'ai fait ce direct-là. Parce que je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai analysé, il y a quelque chose qui ne croche pas. Vous pensez que c'est 1990 où nos parents ils étaient un peu naïfs et puis on vous a suivi? Le président Gbagbo Doran, donc depuis que lui l'a quitté à la CPI, il est quitté à Bruxelles. Lui, il n'est plus démocrate, hein. Il est devenu dictateur. Mais va avec Ouattara, le président Gbagbo. Toi, tu négocies plus, tu discutes plus avec quelqu'un. Parce que moi, nous, on a vu, à notre connaissance, que tu es un démocrate. Toi, tu allais négocier avec la rébellion. Toi, tu allais négocier avec les gens. Donc, si tu négocies avec la rébellion, ça veut dire que toi, tu peux croiser ta femme. Tu peux parler avec les autres. Tu peux parler avec Afin Gessa. Même si Afin Gessa même Azaï, tu peux parler avec lui. Tu peux parler avec ta femme. Non, toi, tu ne parles plus. Tu ne discutes plus. Tu es devenu dictateur. Mais c'est le même dictateur, c'est le même dictateur là qu'on a combattu. Donc, si tu es maintenant dictateur, il faut te mettre dans le même rang de Ouattara. Et puis, on va savoir vraiment tu es dictateur. D'accord? Si tu ne fais plus maintenant la démocratie, depuis que, comment on t'a bombardé, je ne sais pas si c'est bombardement là qui a fait que maintenant que tu es devenu dictateur.
Ce que vous faites, surtout vous les gens de FPD, ce que vous faites là, vous n'êtes plus démocrate. Donc mettez-vous dans le même rang de Ouattara, mettez-vous dans le groupe de Ouattara, comme ça on va continuer la dictature. D'accord? Donc famille, je venais d'ici. Donc vous pensez que vous allez vous cacher, et puis nous là, on va pas savoir. J'ai dit, votre disque, on a ça ici. On a ça ici. C'est pas la peine de vous cacher, de ne pas mettre le nom de Nadia Nambaba dedans. Son nom est dedans, c'est elle qui est la patronne de votre nouveau parti. Et vous faites semblant, vous ne voulez pas mettre son nom. Parce que si vous mettez son nom, que les gens ne vont pas venir. Famille, le peuple de Côte d'Ivoire, on vous dit toujours, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, arrêtez de souffrir. C'est vrai, Babo Laurent, il est parti en prison. De la manière, il est parti en prison. C'est comme ça aussi, maman Simone aussi, elle est partie en prison. C'est comme ça, elle aussi, elle a souffert. Lui, au moins, il est venu à la haie, on l'a amené à l'hôpital. Il faisait les sports, il faisait tout. Mais elle, là, en Côte d'Ivoire, elle ne faisait rien. Elle était dans la mer de ces voyous-là, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on lui a fait. Elle ne mangeait même pas bien. Vous-même, vous avez vu qu'elle partait au procès. Vous avez vu comment elle faisait pitié. C'était que c'est dans son main qu'on voyait que c'était Maman Simone. Donc, ne soyez pas aveuglés par, je ne sais pas, l'émotion pour dire que, ouais, c'est... Attendez, quittez pas. Allô? Pardon, je suis en direct, je te rappelle dans ça. Ça va, ok. Hein? Donc, désolé. Hein? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il disait, moi, là, je... Voilà. Voilà, je... Voilà, qu'on m'appelle, on m'a ménagé, donc, du coup, c'est... Donc, du coup, je disais, son nom, Nadia Nambaba, son nom est sur la liste. Vous avez vu les fédéraux, là, ils sont allés changer tous les noms. Même la fille de à Fleur en Kengo, là, ils sont allés la lever. Donc, ça veut dire que eux, là, c'est que ceux qui ne veulent pas suivre Nadia Nambaba, là, toi, tu on te met sur le banc. Ce qu'on dit, ça veut dire qu'ils ont leur liste. Et ils ont leur liste pour dire cela, et ils ne suivent pas telle personne. Donc, quand ils voient les mouvements, que ça ne va pas. Toi, on te met de côté. Ça veut dire, depuis qu'ils sont venus, parmi vous, voyez, tous les fédéraux, là, ils ont changé, et tous. Yolande, accueil de Bruni, sois salué depuis ta position. La force tranquille, sois salué. Hein? Ils ont changé les gens, là. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parti politique, là, c'est pas parti politique. Il le fait par Nadia Nambaba. Parti là, c'est pour Nadi Bamba. Vous qui sautez là. On vous dit de venir payer 1000 francs. C'est les escrocs qui veulent vous escroquer. Ceux-là, c'est des escrocs. Comme le président Gbagbo Laurent, lui, il parle plus maintenant, il est devenu bobo. Et ils ont fait ce qu'ils veulent. Nadi Bamba, tout ce qu'elle veut là, c'est ce qu'il fait. Tout ce qu'elle veut là, c'est ce qu'il fait. Depuis quand une personne même, il divorce pas et puis il se balade avec une femme. Le vieux, moi j'ai honte à ta place, c'est ton comportement là. Franchement, depuis Bruxelles, mais je n'arrive pas à digérer ton comportement jusqu'à le 17 est venu. Hein? Pourquoi tu fais ça? Entre toi et Ouattara maintenant, est-ce qu'il y a la différence dedans? Il n'y a pas de différence dedans? Ça veut dire toi-même, tu as dit à Ouattara que c'est un menteur. Toi-même, tu as dit que Ouattara, là, c'est un menteur. C'est ce qu'il est. Toi-même, maintenant, ce que tu fais là, tu veux qu'on te dise quoi? Le comportement que tu fais là. Toi-même qui est vieux, que ton comportement que tu fais là. Comment une personne âgée, que toi, on t'a mis là, notre Messie, et puis on te met des grosses chemises, et puis tu es là, et puis tu vas chez Bédier. Toi-même, quand tu vas, tu allais chez Bédier, là. Bédier, il est avec sa biche ou là. Tu n'as pas honte. Hein? Le vieux. Quand tu allais chez Bédier, là,
que Bédi assis avec sa femme, la mère de ses enfants-là. Toi-même, là, tu n'as pas honte que tu te balades avec une Kiza. Tu n'as pas honte. Hmm? Ah, moi, je dis, oui, ben, toi, tu es né avant la honte. Toi, comme Nadi Bamba, elle est née avant la honte. Toi aussi, tu es né avant la honte. Vous êtes né avant la honte. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Le parti politique qu'ils ont créé là, c'est la marmaille. Au bout du peuple de Côte d'Ivoire, c'est la marmaille. Vous voyez, hein? L'Orion a Soé là. Soé s'est calmé un peu. C'est l'Orion Odette même là. Elle-même là, elle est chou, 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 chou. Elle est chou, 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 chou. Dans Virginie vient t'aider, ma grande soeur. Je suis au serré. Voilà, élément, toujours. Voilà, c'est ça. Femme digne de peuple, ouais. Donc, regarde. Regarde même, toi-même, toi, tu es chaud, chaud, l'Orion Odette, tu es chaud, chaud, chaud. Le vieux a dit ça dans son livre de François Mattei. Il a dit ça dedans. Il dit, vous l'avez trahi. Vous l'avez trahi en 2010. Quand il regarde à côté, je parle toujours de ça. Quand il regarde à côté, il y a trahison. Quand il regarde à côté ici, il y a trahison. Quand il regarde derrière, il y a trahison. Quand il regarde devant, il est obligé de suivre. De suivre. Vous êtes chaud, chaud, chaud parce que, avec le nom de Gbagbo Laurent, que les gens vous considèrent. Sinon, sans le nom de Gbagbo Laurent, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que, comme le peuple, on est tellement content que le retour de Gbagbo Laurent. Donc, vous mettez le nom de Gbagbo pour dire que, ouais, le nouveau parti, je vous dis, s'il n'a pas l'air du chuter, lui, un démocrate qui dit, asseyons-nous, discutons là. Si lui n'a pas pu discuter avec, ouais. Il n'a pas pu discuter avec sa femme, il n'a pas pu discuter avec Afingessa, qu'est-ce qu'il va créer? Et puis, on va suivre. Oui, maman Claudie, croyez, sois saluée, maman. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il va dire? Lui, les gens marchent, les gens se cassent la tête, il vient, non, je te donne l'enveloppe, moi je prends le contenu. Rien, tu n'as rien plus de contenu. C'est la mamaille, ceux qui sont autour de toi. Le vieux, on est au courant. Nous, on a tous les 10. On a tout. On a partagé. Ceux même que les inconnus qu'on ne connaît pas. Les inconnus même qu'on ne connaît pas. Ceux qui ont souffert même pour le FPI, là, on les a mis de côté parce que, eux, ils ne veulent pas de Nadi. À ce moment, qu'est-ce que toi-même, ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu pensais ça là? Tu pensais nous on va te suivre dans les marmailles là? Il est temps que tu sors. Il est temps que tu arrêtes. J'ai dit toujours, tu n'es pas dans masse gras. Tu n'es pas dans masse gras. Et puis où il y a quelqu'un qui est devant toi qui va parler à ta place. Trop c'est trop, ça suffit maintenant. Donc j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Ne payez pas les 1000 francs. Les 1000 francs là, ça va dans la poche de Demba Traoré. Ça va dans la poche de l'Orion Odette. Les 1000 francs là. Moi je n'ai jamais vu. Quand on crée d'abord parti politique, et puis après, on cherche les gens pour venir l'adhérer. Moi, je n'ai jamais vu où on dit, viens pour payer 1000 francs pour que tu sois dans parti politique. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis née. Depuis que je suis née, on n'a jamais dit que non. Comme on veut créer un nouveau parti politique. D'accord. Tu veux être membre de parti politique, payer 1000 francs, payer 1000 francs. Moi, je n'ai jamais vu ça. On finit de créer et c'est après que les gens, quand ils veulent adhérer, et puis les gens viennent payer. Mais eux-mêmes n'ont même pas quoi créer, mais ils ont commencé à encaisser les 1000 francs. Donc le peuple de Côte d'Ivoire, ne vous faites pas avoir deux fois. Ne vous faites pas avoir deux fois. Trop, c'est trop. Arrêtez. Ne vous faites pas avoir. C'est vrai. Vous êtes content de retrouver le président Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que le président Gbagbo il fait? Il fait quoi? Il a fait quoi? Il était là. On vous a tué. Vous avez pleuré. Vous avez tout fait. Vous avez fait. Et qu'il est revenu. Que vous avez fait. Voilà le peuple ouais même que qui sont morts à cause de lui. Il a dit que ça c'est pas à cause de lui qu'ils sont morts. Que c'est à cause de leurs forêts. Ça là, on fait quoi ça? Hein? Ça là, on fait quoi ça? Les gens ont dansé. Juste à même un monsieur, il a mis toutes les photos de Gbagbo Laurent pour faire le boucan. Ils sont allés le casser, ça veut dire le monsieur même. S'il était mort même, c'était cadeau qu'il est mort.
dans le vieux. Si tu es dans les camps, là, nous, on ne va pas te suivre. Moi-même, là, je te jure, je vous jure, hein, quand il m'assoit même, je regrette tellement d'avoir suivi une personne et qui vient pour dire que non, on n'a qu'à dire merci à Nadi. Quand je pense à ça, là, j'ai tellement mal au cœur, même mon juste, il revient. J'ai tellement mal au cœur quand je pense que pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce que les papas, il y a un papa là, il est malade. Il y a un papa là, c'est un nati, il est malade. Mais malgré dans sa maladie là, j'ai dit, prends canne et puis il va là. Même tonton Dagué avant de mourir, tonton Dagué il marchait avec canne. Mais de l'hôpital, il est venu, on est parti à l'aïe. Mais malgré ça, toi, tu n'as pas dit, ah, vraiment le peuple de Côte d'Ivoire, ils ont souffert, je vais leur dire, Yako, j'avais dit. Si tu n'as pas dit, Yako, peuple de Côte d'Ivoire, tu n'as pas dit merci là. Ceux-là, tu ne nous as pas dit merci là. On va te suivre pour faire quoi? Faites en votre groupe là, créez votre parti, puis foutez-nous la paix. Le président, il a dit, quand tu es devenu dictateur là, va à Ouattara, puis foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix et puis arrêtez de nous embrouiller. Nouveau parti. Dites-nous que c'est votre parti de Marmaï. Sinon, les Damba Traoré, les Assou Adour, moi-même, quand j'ai réfléchi, vous avez vu, il y a vidéo de où Maman Simone est quittée en prison là. Quand j'ai écouté vidéo, quand j'ai regardé vidéo là, j'ai vu que Dramane Maman Simone, elle a félicité Papa Abdourahmane Sangaré là. C'est depuis ce jour-là, sa mort a commencé. C'est là, ils ont décidé de finir lui. Parce que quand je regarde la vidéo, quand j'écoute et quand j'analyse, et quand je regarde, Assou Adour était assis à côté de Maman Simone là. Et puis Papa Dramane Sangaré, il était assis de l'autre côté. Et puis quand elle parle là, et puis elle a dit, dites-lui merci. Ça n'a pas plu à Assou Adour. Ça n'a pas plu. Comment il dort? Il dort déjà? C'est pas grave, il va se laver demain matin. Hein? D'accord? Tellement il était assis à côté là. Ça l'a pas plu. Moi j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé. Il faisait semblant de rigoler alors que ça le picotait. Parce qu'elle n'a même pas dit son nom. Eman, on attend ta voix ici, s'il te plaît. Vous avez fini de vous laver, non? Allez vous brosser pour vous coucher. Hein? Tellement ça lui faisait mal. Ça voyait, on voyait même dans ses yeux. Parce qu'elle n'a même pas prononcé son nom. Elle n'a même pas prononcé son nom. Jusqu'à même, elle disait, mettez-vous avec moi pour dire merci à Papa Abdourahmane Sangaré. Et puis les gens ont commencé à crier. Tu es parti et ça coule. Voilà. Hein? Et quand les gens ont commencé à crier, Papa Abdourahmane Sangaré, Papa Abdourahmane Sangaré, tellement, les gens, ils étaient tellement contents. Fatou Camara, sois salué. Hein? Quand on regarde, c'est depuis ce jour-là, il a créé son arrêt de mort. Parce que Maman Simon, tout ce qu'elle a dit là, ça n'a même pas duré. Et puis, ils ont tué ce monsieur-là. Donc, pour l'écarter, parce qu'ils ont dit, si on ne finit pas avec le monsieur-là, on ne pourra pas atteindre notre mission. Donc, il faut finir avec lui. On vous dit ça toujours. Donc, peuple du Côte d'Ivoire, on vous dit toujours, ne rentrez pas dans ma maille-là. Ne donnez plus votre 1000 francs. Parce que ça ne sert à rien. Il est venu même. Vos enfants sont morts. Manuela. Oh. Vos enfants sont morts, vos parents sont morts. Il est venu même, est-ce qu'il a fait discours même pour dire, ah, je pleure avec le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a fait ça? Parce que lui, il est venu, comme on a dit, faut pas y aller, on ne veut pas voir Nadi Bamba à Diokwe. Lui, donc, Nadi Bamba dit, d'accord, donc tu ne vas pas à Diokwe avec moi, c'est les gens de Diokwe qui doivent venir. Effectivement, elle a envoyé 5 millions pour que les gens viennent. Les Atiers ont dit qu'il ne veut pas le voir. Il n'a pas encore mis ses pieds chez les Atiers. Ça là, on va faire quoi ça? Avec ça, vous écrivez les gens pour dire telle région, venez adhérer, telle région. J'ai dit, partagez, peuple de Côte d'Ivoire, rentrez pas dans les partis politiques. Parce que c'est parti politique de Marmaïeur.
où il y a les éblèves, guégués qui ne savent même pas faire multiplication là. Lui, il va dire quoi aux gens? Lui. Je vous dis, vous êtes, on dit que les intellectuels même, mais vous êtes. Koudou, allez, file dans ta chambre. Sortez de là. Tu as fini de te brosser? Oui. Allez, donc, va dans ta chambre. Sors dans sa chambre, va dans ta chambre, dépêche-toi. Donc, tais-toi alors, s'il te plaît, tais-toi. Parce que tu commences à m'énerver déjà. Vas-y, vas-y, voilà. Donc, je disais, hein, comme les artistes ont dit que non, faut pas, il va aller là-bas. Bah, il n'est pas parti, hein, mais là, il n'a pas envoyé quelqu'un pour faire venir les artistes. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous pensez que quoi? Maintenant, si vous dites que vous ne voulez pas passer, toi, tu es marié à Nadi Bambala. Que... Si il dit, que, il dit que toi, tu dis que c'est ta femme qui est Nadi Bambala, que toi, tu te balades avec elle. Mais voilà, va prendre les gens de tout bas pour les mettre dans ton parti politique. Pourquoi tu vas appeler les parents des gens? J'ai dit, peuple de Côte d'Ivoire, mon peuple Nyamboa, moi je vous dis, je vais vous parler à Nyamboa. Théodion, soit salué. Je vous parle à Nyamboa. En parlant, oui, une année, Abia Basse. Abayou et dit, il n'a pas de moi. Ou parti, on a créé na moi, avec pour nos cuisses, ou à parti, FPI, avec n'allez, je vous dire, avec pour nos cuisses, même avec n'allez, ici, à Gria, avec pour nos cuisses, ou à parti, on a créé na moi, Nadi Bamba, ou à parti, moi, Nadiana Bamba, na ou à parti, moi, et c'est Côte d'Ivoire, ou à parti, quoi, parce que logiquement, Côte d'Ivoire, parti, FPI, à parti, nos gains sont partis, bon, à fin, qu'est-ce en haut, parti, moi, ou bon année, ou bon que le gong, ou Bago l'onawa, on va négocier comme on discute, on va nous dire, 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 on vraiment, non, moi, un salaire de meilleur, il faut qu'on détaille. Bon, c'est qu'on a pas bangé la peau, n'a pas bangé la peau. Pas bangé la peau, n'a pas trop lu, ou que rebelle au co, ou qu'on a l'air ou non, même au yon, au son enfant, c'est moi, au son laïe, moi, pas bangé la peau, moi, on l'a, moi aussi, y'a non, donc, ou quoi, pas bangé la peau, moi, même sur le jour, non, on n'a tout. Ok, sur le yon rew. Mais pourquoi boke, nous qu'on a ou non, les doigts se boke, ok, bleu goûte que ouvre, les doigts se boke, Simone bago que ouvre, les doigts se boke, afin que ça que ouvre. Ton année, et moi, parti créé dans moi, donc abon son moi, abon que mi fra, abon mi framé, abon nyole. Pas un yon, t'as autre dia, parti me so, ou elle est, papa yon a qu'on a autre dia, ou elle est, ou elle est, ouais, il est parti, mais il est parti, vous n'avez pas politique, non? Parce que c'est comme Simone Bago, nous, politique, et donc, vous n'avez pas politique, non? Donc, un tout moi, ben, abe popo, bon, non? Un badi, abe dit. Antita, oui, abe popo, non? Bébé, t'y a dit, abe no gadi gadi. Parce que papa, il n'a pas de l'eau, non? Assez de l'aïe, gang. Assez de wakri, vous l'aïe. Donc, a popo, n'a pas nani, hein? Quand Bago, le nom, c'est vrai, Bago, le nom, on sort, tombe, doye. Kora, tombe, soka, moi. Car vous Simon Bago Moton de l'Ouvrière, n'y a qu'on nous conscient. Donc, Babek est là où le noir, à propos de Simba David, en Tetaouia, en Verouia, en Lotouia, en Lébouia, en Tantouia, avec propos de Goutier Banané, parce que bon, Bago Lona, non, Moton, non, hier, on est fort, non, mot, non, mot, non, on est fort, à quoi le long pas. Côte d'Ivoire, vision, Bago Lona, c'est Côte d'Ivoire, vision, on ne. Il est le porteur de la vision. De la vision. Il n'est pas la vision. Il est le porteur de la vision. La vision, c'est la Côte d'Ivoire. Là, voilà. La liberté, la démocratie. Et puis, avoir notre souveraineté. Aider une vision, mais aider une. Donc, avant d'année, nous n'avons pas de cribois. C'est ce qu'il y a. Ababi, c'est qu'il y a qui est. Et c'est très marqué. Donc, il y a Abe Popokaote, Danaba Bokanama. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
ou c'est nous c'est coco à soi doué n'aria ou bé c'est nous coco d'où nous on dette ou n'aria ou bé c'est nous coco par exemple pas ben à quoi on nous pèle au bé et c'est nous pèle avec moi à quel moni a dit d'où à capabi de ou à capabi à dignité à quel quoi pour moi et d'un n'a n'a ou pour moi j'ai payé donc je disais à mes parents que je disais à mes parents peu parce que c'est vrai le président Gbagbo Laurent il est parti en prison. Maman Simone aussi, elle est partie en prison. Elle a suivi avec lui. C'est pas parce que c'est lui seul, quand on le trimbalait, qu'elle allait à la soirée pour faire yéyé. Non, c'est même souffrance. Au contraire, c'est vrai, il est venu, on l'a mené à la CPI, on l'a jugé. C'est nous qui avons marché. C'est nous qui avons tout fait aujourd'hui. Si Gbagbo Laurent, si le monde entier sait que c'est un démocrate sans nous là, si nous on sortait pas pour marcher, si nous on parlait pas, si nous on faisait pas le tour de l'Europe, si on faisait pas, on parlait pas sur les réseaux sociaux, on marchait pas, on criait pas partout là, les personnes allaient savoir que c'est un démocrate. Personne n'allait savoir que c'est un démocrate. C'est nous qui avons marché, c'est nous qui avons tout fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que les gens, ils ont vu que, ah, le monsieur, les gens disent que c'est un dictateur. Comment se fait-il que les gens viennent tout le temps à l'aïe, les gens viennent tout le temps à l'aïe. Il est parti en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont morts. Il n'est même pas capable. Il n'est même pas capable pour dire Yako au peuple de Côte d'Ivoire. Yako aux Ivoiriens, ceux qui sont morts. Yako à la diaspora, vous qui avez marché sur la neige pluie. Il n'a même pas fait. Il a dit, on n'a qu'à dire merci à sa kiza de Nadia Nabamba. Donc pour ça, là, les 1 000 francs, 1 000 francs, là, ne donnez pas. Parce que ceux-là, vous allez donner ça à les Assouadou, ils vont mettre ça dans les poches. Vous allez donner ça à l'Ojo Odette, ils vont mettre ça dans les poches. Vous allez donner ça à Kone Katina, ils vont mettre ça dans les poches. Vous allez donner ça à Damana Picasso, ils vont mettre ça dans les poches. La Mamaï, Demba Traoula, la Mamaï qui sont autour de lui, là. C'est à cause de lui que la Côte d'Ivoire est ralentie. C'est à cause de eux. Et Nadia Nabamba, depuis longtemps, c'est leur travail qu'ils ont mis en place. Il faut détruire ce monsieur. Parce que depuis 2010, ils n'ont pas pu le détruire. Donc, leur plan a reçu. Donc, maintenant, là, il faut finir avec Gbagbo Laurent. Et puis, on va plus avoir la démocratie. On va plus avoir la liberté. Donc, arrêtez d'abord. Regardez. N'allez pas vous adhérer. Parce que c'est Gbagbo Laurent. Parce que c'est le nom Gbagbo Laurent. Ceux qui sont devant là, ils ont que c'est le passé, le nom Gbagbo Laurent là, les rend riches, le nom Gbagbo Laurent là, les rend célèbres, le nom Gbagbo Laurent, les rend non. Les gens qu'on les voit, hein, c'est les partisans de Gbagbo Laurent, portez les pains de Gbagbo Laurent, et puis on va voir photo de Gbagbo Laurent pour que les gens vous suivent. On n'est plus dedans. Peuple de Côte d'Ivoire, maintenant là, si tu dois aller, tu dois mettre ton pied quelque part là, faut voir d'abord où tu mets ton pied. Regarde d'abord, est-ce que ça t'arrange? Est-ce que toi, ça arrange ton avenir? Est-ce que ça arrange l'avenir de tes enfants? Est-ce que ça arrange tes petits-enfants? Ne rentre pas dans n'importe quoi parce que c'est le nom Gbagbo Laurent qui est devant. On s'en gabarit maintenant. On s'en gabarit parce que maintenant, là, lui qui veut la souveraineté de notre pays, là, c'est lui qu'on va suivre. Si c'est quelqu'un qui va venir dire même chose, ou nous, on a commencé d'abord depuis pour se débarrasser de la France et puis les Maliens viennent ils viennent nous dépasser et puis on est encore là, on peut pas bouger et puis on tourne en rond. Ces gens-là, nous on veut pas suivre ça. Si tu acceptes de nous donner la liberté, nous on te suit. Maintenant, la balle est dans votre camp. Faites un effort, ne pas rentrer dans l'air mamaïla. Donc peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je suis venu ce soir-là. Le président Gbagbo Laurent, comme lui il est devenu dictateur, il n'a qu'à aller, va rejoindre Ouattara. Voilà. Parce que c'est vous qui rentrez dans les inbox des gens pour menacer. Moi, là, tu menaces et moi, là, j'ai fini et toi. Je vous dis en même temps, tu me menaces là. Moi, je vous dis toujours, moi, je suis Nyambo, tu me menaces là. Je prends ta photo puis je finis et toi. Moi, je ne me menace pas. Je vous dis en même temps. Voilà. Moi, je ne me menace pas. Tu me menaces de la manière que vous menacez Jean-Yves. Moi, tu menaces avec moi. À toi, il faut attacher ta ceinture. Parce que moi, là, je suis prêt aussi pour vous. Donc, famille. C'était mon petit bonsoir. Donc, partagez. Le 16 et le 17, là, c'est le club des amis qui dit qu'ils vont créer leur parti politique de Nadi Bamba. Ce n'est pas le parti politique qui veut rendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est leur groupe. Leur groupe qu'ils ont créé pour détruire le président Gbagbo Laurent. Tu n'as pas encore fini. Il veut finir avec lui. Donc, c'est leur groupe-là. Ils ont créé leur parti politique. C'est la chef, c'est Nadi Bamba. Mettez-vous, écrivez ce que j'ai dit.
la patronne de ce parti politique, c'est Nandi Bamba. Si vous dites qu'on ment, regardez le 16 et le 17, vous allez voir que la vérité va sortir. Parce qu'il n'a pas voulu mettre son nom sur la liste. C'est pas Nadiane, elle s'appelle Nadiane Bamba. C'est nous, on l'appelle Nandi Bamba. Sinon, elle s'appelle Nadiane Bamba. Regardez bien. Regardez bien. Quelqu'un même, tu dis que c'est ta femme. Toi, tu dis que c'est ton mari. Il prend ton téléphone, tu viens, tu lui arraches ton téléphone, tu lui fais trourou, et puis il craint sa tête. Tu n'as pas honte. Et ça, quand tu portes tes balais, chemises là, et puis tu te balades avec elle, avec une kiza. Gedi, Nadi, nous, parce que j'ai trop donné dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, tant que le vieux là, il n'a pas ralenti là, il n'est pas revenu à la raison là. C'est comme ça qu'on va, on va sortir, puis on va lui parler. Voilà. C'est, vous n'êtes pas le seul d'Aimé Gbagbo Laurent. Vous, les partisans de Gbagbo Laurent, vous n'êtes pas le seul Aimé Gbagbo Laurent. De la manière, vous êtes resté à côté là. Pourquoi tu pouvais venir à Paris ici pour venir marcher? Vous avez une fois marché à Paris ici? Non. Vous étiez là. Vous n'êtes même pas capable de faire cas. Vous, les gens de FPR, vous n'êtes même pas capable de faire cas. Cas pour aller à l'AE. Drama Ouattara, dégage, bonsoir. Vous n'êtes même pas capable. Vous dites que vous êtes FPR. Je m'en fous de votre FPR. J'ai dit, moi, si je dois vous laisser là, vous allez me dédommager de 2010 jusqu'en 2021. Vous allez me dédommager. Comme ça, je vais vous laisser. Sinon, je suis derrière vous jusqu'en Lascaras. Et puis, je n'ai pas fini avec vous. On vous regarde, j'ai dit, on vous regarde le 16 et le 17. On vous attend. Ce n'est qu'à façon. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Carrément. Vous pensez que quoi? Toi-même, tu vas chez Bédier là, tu n'as pas honte. Tu prends une kiza pour aller chez Bédier là. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Toi, tu prends une kiza. Tu n'as même pas divorcé. Oh, honte. Vous, les hommes de l'Ouest là, franchement, vous faites la honte même. Vous faites la honte. Vous, les hommes de l'Ouest là, vous faites la honte. Vous n'aimez pas de dignité. Vous n'avez même pas de dignité. Aucune dignité en vous. Oh, honte à vous. Tu vas chez quelqu'un. Un Akan. Tu vas chez lui. Tu prends une kiza. Tu n'as même pas divorcé. Tu prends une kiza. Et toi, tu te balades avec elle. Maintenant, va divorcer. Elle t'a dit maintenant. Elle t'a dit. Faut me dédommager. Tu as quitté la maison. Tu as fait ça. Assume. Si tu veux maintenant, tu veux divorcer. Assume maintenant. Prends tes responsabilités. Assume. Tu ne grattes pas ta tête. Tu n'es pas un gamin pour gratter la tête. Quand on est vieux, puis on n'est pas sage, il faut assumer tes responsabilités. Non, famille, je vais m'arrêter là. Tu vas chez ton ami garçon et puis tu as une kiza à côté. Tu n'as même pas honte. Tu ne sais pas que quand tu donnes domaine, il se moque de toi. Toi, tu disais à vous faire voleur là. Quand ton comportement là, tu penses que les gens vont te... Quand tu donnes dos là, il se moque de toi. Si tu ne sais pas. Quand tu donnes dos là, oh, il se moque de toi. Si tu ne connais pas là, ta dignité même, c'est parti. C'est parti même. Ta dignité là. Et après, tu n'as plus de dignité. Parce que tu es un faux. Voilà. Tu nous as montré que tu étais quelqu'un. Mais tu es un faux. Par ton comportement là, tu es un faux. Tant que tu n'as pas respecté une femme là, tu es un faux. Le jeu. Tu es un faux. Voilà. Tu es un faux. Moi, je n'ai pas marché pour une kiza. Je n'ai pas donné ma vie. Je n'ai pas donné ma poitrine pour une kiza. C'est parce que tu nous as dit, on va aller jusqu'au bout. Je vais vous donner la souveraineté. Je vais vous donner la liberté. Je vais faire pour la Côte d'Ivoire dans tes vidéos que tu dis que comme les autres sont morts pour la liberté, toi, tu es prêt pour nous donner la liberté, quel que soit que ça va te coûter. Donc, tu as dit ça. Donc, il faut assumer jusqu'au bout. Tu vas, tu arrives au... Devant, tu t'arrêtes, tu te balades avec une kiza. D'abord, même, toi-même, tu as dit, un moment, tu dis que, comment Mandela a négocié pour sortir. Mandela, au moins, lui, il a négocié pour sortir en prison. Quand il est venu, il a croisé sa femme, Willy Mandela. Et puis, ils ont soulevé la main en haut. Et puis, quand ils sont partis là, et puis, ils ont divorcé, clandestinement, sans bruit. Toi, tu as signé quoi avant de sortir? Et puis, tu ne peux pas parler. Tu as signé quoi? Dis-nous. Tu n'as pas de liberté. Tu as signé quoi? Parce que tu ne peux pas parler. Que tu as négocié pour que tu rentres en Côte d'Ivoire. Non, ça veut dire que tu as fait des deals. Dis-nous. Tu as signé quoi? Et puis, tu ne peux pas parler.
Et puis, il y a une qui est à côté. Et puis, tu refuses de voir même tes enfants que tu as mis au monde. Tes petits-enfants, tu ne peux pas les voir. Tu as signé quoi? Le vieux. Nous, on n'a pas de diplôme, mais on a tête, on réfléchit. On a tête, là, on réfléchit. Quand on dort là, on réfléchit. Et puis, nous-mêmes, on analyse. Tu as signé quoi? Tu as signé quoi à la CPI? C'est quel accord que tu as fait? Et puis, tu ne veux pas voir Maman Simone. Et puis, quand on dit, non, elle a trempé. Non, elle a trempé. Non, elle a fait ça. Lui-même qui courait des jupons comme ça, là, lui, on ne peut pas le tromper. Lui, là, lui-même qui aime femme, là, lui, on ne peut pas le tromper. Si tu as trompé, on te trompe. C'est comme ça, ça y est. Ou bien, si tu trompes, là, on te trompe. Comme ça, et puis, on va voir comment ça fait mal. Mais je vois que maman n'a pas fait ça. Donc, arrêtez vos balivettes, là. Vous dites que non, elle a fait ça, là. Non, elle a fait ça. Moi, même si c'était mon mari, là. Toi, me Babo Laurent, même si tu étais mon mari, tu m'as trompé, je te trompe. Et puis, on voit ce que tu as fait. C'est parce que tu n'es pas mon mari. C'est pour ça que tu acceptes, maman, elle accepte tout ça. Vous voulez vous tromper. Vous ne voulez pas qu'on vous trompe. Tu trompes, on te trompe. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous parlez de ça? Tu as trompé, là, on te trompe. Et puis, on va voir. Aïe. C'est parce que les femmes ne font pas ça. C'est pour ça que vous, les hommes, là, vous continuez dans vos balivettes, là. C'est parce que quand vous trompez, là, qu'on ne vous trompe pas. C'est pour ça que vous continuez. Ça, mais quand tu trompes, là, on doit te tromper. Comme ça, position que tu as fait, là, on fait même position, et puis ça te fait mal. C'est pour ça que, parce que les gens ont dit, non, comme je suis une femme, c'est pas grave. C'est pour ça que vous continuez dans vos bêtises. Donc, il faut arrêter. Il faut que vous arrêtiez, hein. Quand je vois que vous dites, non, elle a fait ça, non, elle a fait ça, non, elle a fait ça, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Donc, famille, donc, je vais m'arrêter là pour ce soir-là. Le vieux, tu verses toujours visage des gens par terre. Quand je t'ai vu, j'ai vu ta photo, on dit, tu allais rendre visite à Bédi là. J'avais honte à ta place. J'avais honte à ta place. Parce que lui, il avait sa biche royale. Toi, tu es avec une Kiza. J'avais honte à ta place. Une Kiza. Oui, bonsoir, merci. Bonne soirée, ma grande soeur. Tu avais une Kiza. J'avais honte à ta place. Voilà. Donc, si tu ne veux pas te ressaisir, là, on va sortir toujours pour venir te dire. Il a dit, viens nous dire, tu as négocié quoi? Tu as négocié quoi? Parce que moi, je n'ai jamais vu. Quand on dit que quelqu'un a quitté là, tu es libre de tous tes mouvements. Quand on dit a quitté là, tu es libre de tous tes mouvements. Tu es libre de tout. Mais vous, votre acquittement là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien faire. Tu es venu. Non, je suis votre soldat et mon œil. Je suis votre soldat. C'est ça que tu fais là. Tu es notre soldat comme ça. Hein, c'est baladé avec une Kiza. C'est ça? Je suis votre soldat. C'est ça? Oui. Quand on pense à tout ce que tu fais là-même, deux fois, on a envie de 15 ans sur toi-même. Mais on te laisse pour le moment. On t'attend le 16, le 17. Il faut que ça n'a qu'à bien se passer. Vous allez apprécier. Famille, on est ensemble. On est ensemble. Bon, je ne vais pas mettre musique. Mes enfants sont couchés. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. À demain. Donc, partagez. Voilà, partagez. Niamé. Niamé, Kouadio, sois salué. On est ensemble. Bonsoir. Partagez, hein. Partagez. Voilà. Partagez. C'est un groupe des amis, un groupe de marmailleurs qui veut créer leur parti politique en cachant le nom de Nadi Bamba. Nadiana Bamba. C'est elle la chef. Comme elle dit, Maman Simone fait politique. Elle est aussi, elle veut faire politique. Parce que si elle envoie un message à la fille de Saïwa pour dire que elle a pris sa décision de prendre son foyer en main, toi tu n'as pas honte. Nadi, tu n'as pas honte. La femme, elle est mariée légalement. Il est où ton mari même? Tu n'as pas honte. Tu es une Kiza. Et tu es une maîtresse. Une maîtresse qui ne connaît pas son nom. Une maîtresse qui n'a pas de dignité. Une maîtresse qui n'a pas honte. Toi, tu es né avant la honte. Tu es né quand tu es né là. Tu es né avant la honte. Quand tu es né, puis après la honte est venue. C'est ça toi. Non, mon mari. Toi, c'est ton mari. Devant la loi, c'est ton mari. Tu te trompes, hein?
Tu te trompes, Nadi. Je ne sais pas qui t'encourage même dans tes bêtises. Tu te trompes toujours. Nous, on te dit ça toujours. Moi, je te dis ça. Tu es une Kiza. Tu es une Kiza aujourd'hui. Tu es une Kiza demain. Tu es une Kiza après-demain. Tu es une Kiza. Il faut arriver à faire des premières dames là dans ta tête. Parce que tu seras pas. Tu ne seras pas première dame. Parce que nous, on est prêts pour toi. On est prêts pour finir toi. Voilà. Ce n'est pas pour te tuer, hein, mais tu ne seras pas la première dame. Parce que d'abord, le monsieur, il n'a pas divorcé. Donc, ça, tu n'es pas la première. Ceux qui t'encouragent pour dire, ouais, la femme de Babou, là, il te trompe. Hein? Tu perds ton temps là. Tu perds ton temps là. Si tu es maligne, gagne temps. Va trouver ton chéri qui est aux États-Unis. Va le trouver là-bas, comme ça, tu vas t'amuser. Ça ne sert à rien. Que tu vas nous saouler tous les matins, midi, soir. Ok, famille. C'était moi, il dit Dénéan, toujours. Maman Babou. Voilà, c'est comme ça y est. Voilà, moi je ne mange pas de ce pain-là. Ce pain-là, je ne le mange pas. Voilà, je ne le mange pas aujourd'hui, je ne le mangerai pas demain. Ce n'est pas parce que j'aime Babo que je dois être mouton de Babo. Non, 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 non. Je ne peux pas être mouton. Voilà. Moi, je ne peux pas être mouton. Voilà, je ne peux pas être mouton. Moi, j'ai un cerveau, je dois réfléchir. Je sais ce que je veux de ma vie. Je sais ce que je veux de ma nation. Je sais ce que je veux de mon pays. Moi, je ne suis pas là pour. Quand vous me dites, ouais, en fait, la vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes des dictateurs comme Ouattara. Parce que quand vous voyez vos comportements là, vos comportements que vous faites là, vous êtes des dictateurs. Mais allez rejoindre Ouattara. Foutez-nous la paix. Et puis on va finir pour une fois, pour toutes. Ok, famille, bonne soirée. Bonne soirée. Et puis voilà. J'ai oublié même. Mathieu, toi, c'est ton message que je vais t'envoyer. Tu as fait direct, tu as dit que nous, Ouattara nous paye. C'est pour ça que nous, on parle comme ça. Ouattara nous paye. Que nous, on est payé par Ouattara. Moi-même, là, si, au lieu de que Ouattara va me payer, même, si Ouattara voulait me payer, même, j'ai dit à Ouattara, faut pas me payer, pardon. Moi, je ne veux rien. Donne-moi mon passeport et puis je vais y quitter là. Ça, là, je pouvais dire ça à Ouattara. D'accord? Mathieu, au lieu de que Ouattara va me payer, moi et Virginie, là, au lieu de qu'il va nous payer là, on va nous dire, et depuis 2019, on n'a pas de passeport. Je pouvais dire à Ouattara, au lieu de que tu vas me payer, garde ton argent. Donne-moi mon passeport. J'ai droit à un passeport, ivoirien. Je peux lui dire ça. D'accord? Donc, si vous n'avez rien à faire, si tu ne sais pas ce que tu veux, monsieur le 2019, si tu ne sais pas ce que tu veux, pourquoi tu es dans la lutte, tu ne sais pas pourquoi, que tu dis, ouais, Bagolore est Dieu, Bagolore est la vision, Bagolore est quoi là? Et Bagolore n'est pas la vision. Il est le porteur de la vision. La Zombrotte, sois saluée, la digne femme, ouais. Hein? Il n'est pas la vision, il est le porteur de la vision. Et puis, Maman Simone, elle a dit, j'ai vu une des vidéos de Maman Simone. Elle dit le FPI, le Front Populaire Ivoirien, ils ont mis une vision en place, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et c'est Gbagbo Laurent qu'ils ont choisi pour être le président du FPI. D'accord? Ok? Quand tu ne connais pas les choses, ferme-la. D'accord? Ferme-la. Et moi, si je suis payé par Ouattara, je vais dire à Ouattara, il ne faut pas me payer. Pardon, il ne faut pas me payer. Laisse-moi, donne-moi mon passeport, laisse-moi y venir à Abidjan. J'ai lui dit ça, d'accord? Donc, si tu vaux rien, que tu te pavanes, ta veste que tu parles, on dirait un cadavre qu'ils ont mis veste là. Si tu n'as rien à faire, la boucle là, d'accord? Nous là, on a risqué nos vies. Et nous là, on a des problèmes avec Ouattara. Pour ça, depuis 2019, on n'a pas de passeport. Donc, si tu n'as rien à faire là, boucle là. Boucle là, c'est nous on dit la vérité. On dit, vous n'aimez pas Gbagbo Laurent. Vous n'aimez pas Gbagbo Laurent. Nous qui lui dit la vérité. C'est parce qu'on l'aime qu'on lui dit la vérité. On dit, il va droit au mur. Il va droit au mur. Ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. La femme là, elle a souffert. Donc, j'ai compris. Quand Sibuko a fait, j'ai écouté la vidéo de Sibuko. Il dit que ouais, que lui, les gens lui parlent pour dire, Christine. Bonsoir. Que lui sa vidéo,
qu'il fait Gbagbo Laurent, les gens lui parlent pour dire que ouais, le président Gbagbo Laurent, il regarde ta vidéo, il est content de ta vidéo, oui, il est content de ta vidéo. Donc, ça veut dire que toi, le président, donc toi, quand c'est que tu ne peux pas dire à Simone, là, donc tu dis à tes gens là, insultez-la, comme ça, elle va quitter derrière moi vite, insultez-la, dites-lui tout ce que vous voulez comme ça là, elle va vite quitter derrière moi, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est Sibiko qui a dit, hein. J'ai écouté la vidéo de Sibiko jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu peux pas, comme tu as dit que tu veux plus d'elle, elle veut pas. Donc, insultez-la, mais dites-lui tout ce que vous voulez. Comme vous n'avez pas pu la tuer en 2010, là, dites-lui tout ce que vous voulez comme ça. Elle va avoir crise cardiaque. Ou elle va quitter l'élément, ou elle va mourir. Le vieux, quand on pense à tout cela, on veut finir toi-même. Mais pour le moment, là, on se calme. Quand on pense tout ce que les. Quand les Sibuko la parlent, et puis on écoute. Moi, j'écoute mes vidéos de Sibuko jusqu'à la fin. Et puis j'écoute tout ce qu'il dit dans ses vidéos. Ça veut dire que toi-même, depuis 2015, hein, depuis 2015, hein, tous les injures qu'elle a eues, donc tu étais dedans. Tu étais dedans. Et on ne va pas t'enlever dedans. On ne va pas t'enlever dedans. Parce que tu es dedans. Parce que tout ce que vous avez dit dans Bagokoro, c'est ça Sibuko fait sortir. C'est ça là qu'il a été confessé. Mais vous allez payer. Tu vas le regretter. Il hein. Faut pas te ressaisir. Tu vas regretter. Ceux qui t'encouragent, il faut continuer avec eux dans leurs bêtises. C'est nous qui avons fait. C'est nous qui avons marché. C'est nous. On a tout donné pour toi. C'est nous. On a tout donné pour toi. Voilà. Et si tu ne veux pas reconnaître, ce n'est pas grave. Nous, on laisse à Dieu. Mais vous allez voir, on ne va pas vous laisser. Parce que Dieu, là, on ne fait pas du mal à quelqu'un. Dieu, là, on ne fait pas du mal. Et c'est là que vous, quand il te voit, mais que tu vas à l'église, il ne faut plus aller à l'église. Quand tu es devenu dictateur, tu es devenu méchant, tu es devenu autre chose, il ne faut plus aller à l'église. Il ne faut plus aller à l'église. Reste à la maison et t'acquise là-bas. Bande de voyous que vous êtes. Allez, bonne soirée.